football, on les souhaitait voir son vivant. C'est aujourd'hui peut-être meilleur, parmi les meilleurs, en tout cas, formations d'Europe, qui vont se rencontrer, notamment aussi avec les deux meilleurs joueurs du monde, en tout cas dans le top 5, Neymar du côté du Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo au niveau de Real Madrid. Mais pour faire un pronostic, je n'irai pas jusque-là, ça va être extrêmement indécis. Ça va être très difficile pour les deux équipes parce qu'elles sont aussi en bonne posture actuellement. Le Real Madrid, cette année, au niveau de la Liga, a quelques soucis par rapport à son rival éternel, le FC Barcelone. Mais depuis un certain temps, on a constaté quand même qu'elle est en train de reprendre du poil de la tête. Et deuxièmement, au niveau de la Ligue des Champions, c'est une équipe qui reste performante. Elle semble plus aimer la Ligue des Champions que la Liga. Kabla, on pourrait dire effectivement que les Qataris ont lamentablement échoué. Parce que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de prendre la Ligue des Champions, ce n'est pas de prendre le championnat de France. Le championnat de France, il est gagné dès la première journée, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas investir autant de millions, ne serait-ce que pour le transfert de Neymar, 223 millions d'euros, et vous prétendez perdre, ou bien on pense un seul instant que vous allez perdre le championnat de France. Ça, c'est pas possible. Ce qui leur reste, leur objectif principal, le pourquoi les Qataris sont venus en France, c'est pour la Ligue des Champions. Donc, et rien d'autre. Et cette année, s'ils ne le franchissent pas, ça m'étonnerait même qu'ils puissent garder Neymar l'année prochaine. Et ça m'étonnerait que les gens puissent même continuer à croire à l'investissement qatari. Et même l'émir du Qatar devrait même pouvoir revoir un tout petit peu sa copie. Merci.